Réel, réel. Et on a dit, si Yopa, il fait 187 kills pendant une game, on gravit la montagne la plus haute du monde avec 20 kilos sur chaque membre, et on saute en parachute sans parachute. Sans parachute. Voilà. Masterclass. On joue à Ascent. On n'a pas joué à Ascent encore, non? On a joué, non, on a fait Haven et Split. On n'a jamais joué à, on a jamais joué à Ascent encore. Et c'est nous qui l'avons pick. Ah, t'as vu cette fois, on a ban Haven en premier là cette fois. Ouais, peut-être on n'a pas aimé, hein. La dernière fois, peut-être on n'était pas fan. Ah ouais? Je sais pas du tout, franchement, je connais pas trop les choix de map du roster. Samuel, il m'a envoyé, si on perd, je mets une patate dans mon écran. Voilà, c'est son message. C'est une map plus orientée attaque ou défense C'est le map équilibré. C'est le map équilibré, tout dépend de la compo. Si jamais on joue double dueliste, on a l'avantage en attaque. Si jamais on joue normal, on a toujours un peu l'avantage en défense. Et ça va partir sûrement sur de la Odin, sur cette vilaine map. On les connaît, c'est vilain Sova Odin sur B. C'est vrai que là on pourrait jouer Sova Odin. On avait pas on l'a pas trop joué l'année dernière. Mmh. Marty, il a un Sova. Marty Sova, je pense. On peut avoir une jet sur cette map aussi. On peut même avoir Néon. Ah ouais, Néon. Ouais, on peut sortir Néon, on peut sortir Raze. Il peut y avoir Phoenix. Ok. Il peut y avoir plein de choses. Ouais, non, mais c'est même Caillou aussi, je crois qu'il a des bons knives sur cette map. À voir la composition. Franchement, là, on n'a pas une composition toute préfaite, tu vois, comme la game d'avant où on savait ce qu'il allait avoir. Ouais. Là, on peut être surpris. Franchement, Raze Phoenix, je suis heureux. Parce que c'est bon, Jet. T'es hype. Ouais, je serais content. Après, Jet, c'est vachement fort sur cette map. Ouais, tu sur le oui, event pour... A avec ouais, les Kunai, dash tu fais tout, des dingueries. Ouais, donc à voir. Après, moi, c'était plus pour le spectacle que je disais ça. Ah, par rapport à. Moi, j'aime trop. Et frère, les satchels, je trouve ça trop beau. Avec ouais, c'est ça, c'est ça. C'est A7, Vic, la map, A7. Nous sommes révolte. Alors, non, nous sommes job là. La révolte. Oh, ok. Ok, les combos. Raze Jet. Attends, tiens mon petit chaton. Waouh, y'a un phoenix. Raze Jet Astra, et je suis très content que Starkey joue Astra parce que vraiment je préfère. Genre, c'est mon smoker préféré Astra. Je trouve ça vraiment trop broken, ouais. Ouais, ouais. Killjoy, Fade, et en face, ça joue double dueliste aussi, sauf que c'est Phoenix. C'est Phoenix à la place de Raze et c'est Kayo à la place de Fade. Et sinon, Omen Killjoy et. Ouais, c'est des compos bien différentes. Des compos bien différentes, ouais. Mais en tout cas, des compos qui changent. Des compos qui changent, ça fait plaisir. Marty qui remet les crampons sur Fade. Ils ont, ouais, ils, on ça a va pas flash. De notre côté là. Si, ça va, oui. Ça, de leur côté, ça va flash. Hein. Ah ouais, de leur côté, Phoenix Omen, Caillou. Oh, ça va flash. Ça va être un peu relou, mais bon, à voir. Je pense que ça a été sélectionné comme ça, c'est que ça doit marcher comme ça. Raze Jet, franchement, moi j'ai aimé. Dernière game, donc pourquoi pas. Et à voir ce que ça donne. Les gars, ok, il fait des pouces. Je sais pas ce qu'il est en train de se dire. Est-ce qu'il a fait une bonne analyse? Est-ce qu'il s'est dit, ouah, la compo job life, elle est trop broken, sa mère? Oh, le pull de fou qu'il a, frère! Oh, c'est. C'est Gojo! C'est de Hunter x Hunter! Exactement! Oui. Bah, c'est le grand frère c'est de Killua, en fait, Gojo. C'est lui. Voilà. Ah, c'est pas dans Hunter x Hunter? Bah, si. Et si? C'est le grand frère de Killua. Non, c'est dans MHA. Bah qu'est-ce oui! Le cousin de. Ça, même génération c'est qu'MHA. C'est le cousin de Vegeta! Non. Mais il est pas dans MHA, Vegeta! Mais si! Avec Sanji et Zoro! Ça serait trop bien, genre, ils font un crossover. Genre, tu sais, Avenger, mais version animée. Bah oui, ouais, ça serait trop dark, sa mère, genre. Ça, vous seriez pas hype? Bah si, ils ont fait ça sur un jeu qui s'appelait Jump Force. Ils ont mélangé tous les shonen d'un magazine. Et sauf que le jeu puait sa grand-mère, malheureusement. Là, je parle pas à un jeu. Moi, je te parle à l'anime, genre, en mode, il faut hors série d'un animé où, genre, il. Avenger, tu vois, ils sont tous dans le même univers. Il y a, c'est très bien, ça. Quelqu'un qui ouvre une faille dans le multivers et du coup, ils sont en bleu sang. Goku bon, avec tout le monde. Pour le moment, les seuls qu'on avait ensemble, c'est Luffy, Goku et Toriko. Et la game commence directement. Je place ma cam, ok, c'est bon, c'est placé. C'est parti, mesdames et messieurs. Exactly. Contre Job Life. On est en 0-2, ils sont en 0-2. C'est un peu le duel des losers pour voir qui sera le moins gros loser. Et allez, pitié. Faut pas perdre cette game. Faut pas perdre cette game, les frères. Là, que ce soit Exalty ou nous, si on perd, ça peut être très, très, très problématique. J'ai pas envie de dire le mot fini, mais je pourrais dire fin, tu vois. Genre, je pourrais dire fille, quoi. À moins d'un miracle, là, il faut vraiment gagner toutes nos games.
Oh, on a le son pour une fois sur le partage. Oh, incroyable. Ok, attention, Lias, oh, yes. Met en situation de 1 oh, contre yes. 3 dans le garden. Ok, il a l'info, il va reculer. Impeccable. Allez, une tête, yes, une tête de... Ok, ça passera pas. Okay. Un pour un, yo, pas très solide, Starkey qui arrive à récupérer un kill également. 3v2, 4v2, pardon. Nice. On les a atomisés. Yopa, tu vois, Yopa qui commence la game, double kill, ça au moins ça le met d'aplomb et ça fait plaisir. Ça dans la tête, ça fait du bien une game qui commence comme ça. Franchement, c'est clean, c'est expéditif et je crois. Non, c'est pas imparfait. Parce qu'on tout le monde. On a Yas qui tombe. Ouais, tout le monde a fait son kill là, dommage. Oh là là, non mais Yopa, non mais c'est. Non mais t'as vu cette lame de ce mec, de ce petit bonhomme ou quoi là? Il est bon hein. Double headshot hein, double headshot, poteau il lui a mis. Pas une balle de raté. Allez. Banks, banks. Attends, il est propre le gun round non? Ouais. Ah, ça, il fait plaisir en fait, il fait commencer rassure. La game correctement. Il rassure. C'était Starkey, c'est pareil, Yopa il est trop fort aussi, Starkey il est trop fort. J'en ai rien à foutre. c'est les job life les mecs. J'en ai beaucoup. Ok, oh la grenade. Oh la grenade, le petit combo fade race. Mais oui, je l'avais oublié ça. La petite grenade de race qui a grab. Du coup il était complètement bloqué dans la grenade de Yopa. Yopa qui fait un 3 points switch. On va prendre l'info, la reveal qui va être mise. Attention, parce que Marquis il a envie de jouer l'aggro et en vrai il fait bien, on a des spectres. Attention parce qu'il y a un shérif quand même. Attention parce qu'il y a un shérif quand même, attention. Oh, ouais, mais attention à quoi? Oh là 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 là, le triple kill de Marquis et Yopa directement dans ce main. Ça nous permet de sécuriser le spike et il est déjà tout seul, tryhard. Avec son petit Omen. Bon alors on perd pas d'armes, très bien, Magic très très réactif, il tenait la ligne. Franchement c'est propre. Si je peux me permettre c'est du bonus qui est bonus. Voilà. C'est du bonus qui est bonus. Je bonus là, comme ça, c'est posé. Oh. C'est bien ça, y'a pas de gens 4-0. Attention, ça prend un kill, ça commence à faire peur là. Oui parce que le grab met low HP aussi, si pas de bêtises, je crois qu'il met à 30 ou 40 HP. Je sais pas que ça faisait des dégâts le grab de Astra. Si, en fait ça fait des dégâts mais ça remonte. Au proc. Okay. Comme Viper, t'as vu quand je passe dans son mur? Oh oui, ouais. Même moi, tu viens de me prendre un truc, je savais pas. Ah, ben voilà. Astra, on la voit tellement peu alors que le perso est tellement fort. Alors, c'est pas Astra, c'était Fade. Ah. C'était Fade, attention, on est en round bonus, ils ont leurs armes. Donc, c'est encore une fois, je le rappelle à chaque fois. Mais c'est un round qu'on est censé perdre sur le papier puisqu'ils ont des meilleures armes que nous. Mais on peut le gagner, on a réussi à mettre des très bons dégâts sur le Phoenix. Oh, yes. Oh Yas. Yas, on le sait quand il tient une ligne. On le sait quand il tient une ligne, Yas. Il bouge pas. Il attend, voilà, décale-le petit à petit, Killjoy, viens dans son viseur. Viens. Oh oh. Putain, je le voyais tirer moi. Ouais, dans ma tête, il tirait là. Il y a un monde où il est en train de regarder sa map. Il y a un monde où, genre, tu sais, un petit coup derrière la map, mauvais timing. Parce que le Crozet était parfaitement placé. La tête dommage. De ouais. Killjoy était rentrée. Attention, on a personne sur B là. Par contre, maintenant, il faut vite revenir. Les renforts ont besoin. De venir le plus vite possible sur B. Ok, ulti Phoenix qui est claqué. Ils vont prendre l'info, le dash de jet qui est rentré pour fermer la porte. On va jouer la retake tranquillement. Le spike qui devrait être planté dans pas longtemps. Voilà, il est planté. Ouais, ça nous fait gagner du temps ça. Ouh, attention, Soumen il peut nous faire mal. Si jamais Magic il tente de passer par le city. Attention, c'est pas un endroit qu'on check ici, on check pas. Voilà, ouais. Ça tire. Oh, Yopa. Oh. Oh yo, pas dommage, j'étais bien tenté. On rappelle, c'est un bonus. Oula, ça fait mal. Ouais. Quand même. C'est un bonus, on est censé le perdre. Nous, si Marty arrive à faire tomber une arme, je suis content. Ok, en plus, ils savent qu'il est là. Ouais, ils ont l'info. Ouais, fais tomber une arme et meurt en héros, mon frère Martinino. Ah, on l'a vu, hein. Il a tiré une arme. Ah, ils vont reculer, t'as vu comme ils ont peur? Regarde, ils vont pas venir le jouer. Attention dans ton bac, Marty. Ok. Parfait, on n'aura pas réussi à faire tomber d'armes, mais c'était un bonus. C'était un round bonus. Y'a pas de soucis à se faire. Le main il nous a surpris hein, sur ouais. Ce round là. Franchement, ouais. Bah tu te dis pas, y'a un mec qui est dans le mid là. Et tu vois là, il suffit. Ouais. Ah oui, parce qu'en plus il avait le temps de tirer. Hein. Je pense ouais, qu'il. Ouais, il pile dessus. Tu sais, genre, des fois tu peux être en train de dire une phrase, en train de regarder ta map ou quoi. Non, je pense juste qu'il regardait sa map, hein, simplement. Là c'était bien joué. C'était bien tenté, Yopa, ouais, mais il a réussi à trouver le headshot. Ok, on a nos armes. On a nos vandales, on a nos fantômes, on a tout ce qu'il nous faut. Allez. On joue à armes égales désormais. Attention, on va essayer de rentrer sur le A pour Exalti. Est-ce qu'on a le quoi de tenir avec On va mettre la smoke et la flash.
Flash qui est claqué. Bonjour Starkey. Là il est un petit peu dans une position compliquée. Starkey va réussir à en prendre un malgré tout. Starkey dommage, il aura pas réussi à faire le deuxième. Magic il sera là pour la revenge. Magic le double kill, le triple kill de Magic. Magic, pour le triple kill. Non franchement, c'était magnifique. Oh le quadra. Oh là 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 là, Magic. Avec son skin de Golemon là. Il a un million frère. Oh là 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 là, Magic qui vient de 1v9 le round, le quadra kill de Magic. Starkey qui a réussi à faire le boulot, il était un petit peu dans la merde, il a réussi à prendre un kill et derrière Magic, très solide. Là c'est vraiment compliqué pour Starkey, c'est déjà un miracle qu'il a réussi à faire un kill pour être tout à fait honnête. Mais là Starkey 1, il est allé aux couilles, tu vois, et là ça joue avec des couilles, et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais, on y va, on décale, on n'a pas peur, on est plus fort qu'eux frère, tu vois. Il a sorti son meilleur spell frère. Et c'est ça qui nous manquait la première game, c'est des couilles. Et je vous jure que si on joue avec nos couilles, frère, si on arrête de jouer avec notre cul là en chien dessus, et ben frère, c'est comme ça tous les rounds. Allez, attention, ils ont quand même pu. Oui, d'ailleurs, Magic qui s'est fait optimiser son PC. Parce qu'il avait des problèmes de PC, là normalement c'est réglé. Et ben ça se ressent. Il bec flux. S'il fait ça tous les rounds, je suis content. Attention, Shay qui commence à s'avancer sur ce short, mais il est tenu par Yas. Ça devrait aller. Magic. Oh Magic il l'a vu, il a l'info. Juste reculé, il a sa petite tourelle et tout. Voilà. Là, il a une belle ligne Starkey. Oh dommage, on n'a pas réussi à trouver le headshot. Starkey qui va mettre ses petites smokes et tout. Regardez comme c'est incroyable. Astra quand c'est bien joué, je le jure, I swear c'est le meilleur smoke. C'est le meilleur smoker. Juste, c'est trop dur à jouer Astra. Attends, mais on a même pas notifié, mais que cette fois-ci c'est. Attends, Magic, il était pas sur Astra là. Oui, il change. Ok, putain. Ah oui, c'est vraiment flex. Oui, c'est vrai, ouais. Mais Magic, feu là. Starkey derrière qui va réussir à prendre le kill, Yas. Oh, Yas qui va l'aider. Déjà en 5v1, on perd pas d'armes, très bien. Non, mais. Faut donner le contact là du mec qui a optimisé là, frère. Il lui a installé quel genre de logiciel là, frère. Et oubliez pas. Magic, Starkey. C'est flex aussi parce que je le rappelle, même si. Je n'ai jamais caché l'ambition de vouloir gagner la Coupe de France, mais c'est aussi des gros tests et des gros entraînements aussi la Coupe de France, tu vois. Ça veut dire que il peut y avoir Starkey, tu vas le tester en sentinelle, après tu vas mettre Magic, on peut, tu vois, Yas il avait joué Bridge, là on l'a remis sur Jet, il peut y avoir beaucoup d'évolutions qui vont être faites au fur et à mesure, et c'est le timeout du coach de Exalti. Et bah j'ai envie de dire que là pour le moment on voit un très beau visage. Ah bah oui, là on est content frère. Ouais. Attention, bah, parce que hier on était content aussi, donc ouais, maintenant, t'as vu, je suis content, mais je fais attention. Ouais, voilà. Mais là je vois Magic comme j'avais envie de le voir de base, tu vois, quand j'entendais le nom du joueur. Si je m'attendais vraiment à. Bon, de base, c'est un smoker, mais un smoker qui frappe de fou. Et là, c'est le cas, quadra kill, into triplé, ce mec est trop fort. Oui, c'est vrai, Magic est trop. Et en plus, je l'avais vendu, moi, Magic. Moi, je me suis jamais caché. Magic est un des meilleurs joueurs de l'équipe. Et là, voilà, je veux le voir comme ça. Je veux que ça continue. Attention à ce timeout là qui nous sort pas de notre momentum. Ouais. On veut continuer. Ouais. Et on a bientôt les outils qui vont arriver et qui vont permettre de sécuriser, je l'espère, un peu plus de rounds. Magic Starkey qui sont deux outils game breaker pour sécuriser des rounds. Allez, à moins de faire quelque chose là. Ils ont rien du tout. Ah, ils sont en déco. Juste pas perdre d'armes. Ils sont en déco. Attention les shérifs quand même. Faut respecter les shérifs au niveau, vraiment c'est. Ça peut être fatal. Allez, c'est stressant quand même. Ces rounds-là, en fait, tu dis qu'ils sont free, mais non, parce oui, que le shérif, c'est une balle dans ton crâne, okay, tu exploses. On a l'info, Starkey qui va trouver des petits dégâts. À ce moment qui sera posé, est-ce qu'on va réussir à mettre un. Parce qu'en fait, en gros, Astra, là, les orbes qu'elle pose, là, pour ceux qui connaissent pas trop le jeu, elle peut les transformer soit en smoke, soit en stun, soit en grab. Tu vois. Alors, contrairement à genre où un Omen, il a une flash et des smokes, ou à Brimstone, où il a une flash et une mollo, plus ce truc qui fait aller vite, mais en gros, c'est vraiment. C'est super polyvalent. Il faut. La mettre dans les bonnes mains, la Astra, et vraiment moi je suis trop. J'aime trop le perso frère. Mais là je trouve que Starkey est vraiment convaincant sur sa Astra, il fait des bons moves, il fait des petits coups d'épaule into smoke grab et tout, ça joue vraiment genre bien. Astra, ça peut empêcher une diffuse, tu vois, avec le grab et tout, genre ça vous est peut-être déjà arrivé en solo queue. Martinigno, le double kill, le triple kill de Martinigno. Wesh. Mais qu'est-ce qui se passe, y'en a pas un qui est derrière. Oh Magic. Non mais c'est quoi la drill? C'est quoi ce poulet? La drill. Allez, encore un perfect, comme son stack l'oseille là. Plus que 30 secondes. On a allez. Le spike il est en plein mid. Il y avait l'Omen qui était en train de lurk, je sais pas trop ce qu'il était en train de foutre. Ne perdons pas d'armes, oh. Il a son ulti. Et il est vu et c'est parfait. 5-1. Oh,
c'est mon équipe ça. Ça c'est mon équipe. Game d'avant on était à la même situation, c'est-à-dire on arrivait à 5-1. Là il faut continuer. Il y avait 4-0, 4-0. Il y avait 4-0 ah ouais, ouais. Il y a pas eu 5-1 à un moment. Non 4-0. Non mais regarde. Oh là là, Banks, il en a eu deux. Hop, on recalibre dans la tête. C'est beau. Yopa, il a même pas eu besoin de bouger et là franchement, il s'accroupit Magic, il a sidestep la balle. C'est beau frère, c'est beau comment ça joue. Ouais. Très content. Allez, il faut remettre ce round là, ils ont des armes, et si on leur remet ce round, ils auront pas d'armes alors que nous on est vraiment turbo riche. Mais là frère, c'est dingue comme on est riche. Là on est gentleman. Et en face, c'est job live. Ouais, là c'est plus 3D max frère, hein. C'est quoi cette économie, ils ont... Ouais. Mais 3, c'est pas 3D max hein. Hein, 3D max, ils ont des sous hein. Ah ouais, ils ont des tales. Ah ouais, ils ont des tales. Ils ont beaucoup de tales hein. Ah putain, j'avais pas. Putain, ah oui. Pardon. Ok, ça fait plutôt slow. Non, on a peur de prendre des risques côté exalti parce que le peu d'armes qu'on a, on a pas envie de le perdre. Et du coup, ça pèse sur le mental. Et ces rounds là, ils sont précieux pour exalti. Okay, Dicebook, très belle lecture de jeu. Vous les avez entendus, mais. Okay. Okay. Attention, hein. Et oui, et tu peux fake smoke aussi avec Astra. Tu peux mettre une smoke, du coup, le mec il va avancer et tu peux enlever la smoke. Oui, du coup, ça devient une smoke, mais que 0,5 secondes. Oh. Au lieu de... Exactement. Tu veux te déplacer, exactement. Faire quoi que ce soit, c'est super. En gros, tu vois quand t'as une smoke, tu te dis bon bah ok, il y a une smoke, elle va durer 15 secondes, du coup t'avances, bam, la smoke elle fade, toi t'es là, t'es dans la smoke, t'es comme un clown. Attention, l'ulti Phoenix qui est rentré, Magic très solide qui l'a complètement annulé. Ça, on a l'info, je pense, on a l'ulti qui joy en plus, ça serait bien de sécuriser ce round. Ouais, je pense que je vais l'arrêter, hein, ouais, on va prendre le risque. Oh, il y a l'ulti Kayo qui a été claqué. Ça va nous empêcher de poser l'ulti qui joy, on a peut-être un petit peu tardé. Cette jet, elle peut être dangereuse action qui est très bien placée sur le event. Je pense Magic qu'il va juste attendre la fin de l'ulti Kayo, hein. On va attendre la fin de l'ulti Kayo tranquillement. Oh, oh là là, Yas, très solide, pas naïf, Yas. Dommage. Dommage le deuxième. Ok, l'ulti Kijoy qui a été claqué. On va les forcer à reculer. Oh, on les a enfermés là. Ah, on les a enfermés. Magic est tombé malheureusement. Je sais qu'il va rester on site. Il va se faire capturer. Voilà, on va attendre tranquillement, ça sert à rien. Banks. Oh. Quoi, oh, ils sont tous là-dedans, attention, la flash elle a fait mal, mais on va réussir à diffuse avec le wall de Astra. Oui, oh non, il y a la moitié, oh non, ils ont réussi à le mettre. Oh, c'est dommage. Dommage. Il est derrière nous. Ouais, on s'y attendait pas à ce qu'il y ait un mec de l'autre côté du wall, sinon c'était parfaitement joué. Bah, il a une... Il a ulti, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé là-bas. Ah oui, pendant tout ce brouhaha en fait, oui, parce qu'il était pas derrière de base, hein. Ouais. Là la flash elle nous a fait mal. T'as vu, il y avait le grab et le omen qui arrivent. Je pense qu'on l'avait pas dans tous les cas. Je pense qu'on l'avait pas. Dommage, à peine, c'est pas grave. Franchement, ils ont pris ce round là, bien joué à eux. Après ils claquent beaucoup, ulti omen, ulti phoenix, ulti Kayo. Ouais, nous on claque quand même ulti Astra, ulti Killjoy, c'est deux ultis très importants de notre côté. Mais bon, c'est pas dramatique franchement. Non mais le skin de Gol, mon sérieux. Mais c'est un avion son skin ou je rêve? Ouais, c'est un avion, il y a Sova qui le conduit. Ça y est. Oh là 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 là, mais oh, Yas Operator, on l'a jamais vu. Si, on l'a déjà vu hier. Ah ouais. Oui, bah oui. Je crois, okay, on l'a vu hier. On l'a vu. Allez, s'il te plaît, surprends-nous frère avec ton Operator. Il y avait la tourelle qui était en train de bait pour lui, et à l'instant où la tourelle a tiré, il a décalé. Il savait que le crosshair serait pas sur lui. Tu vois les petites strats qui commencent à rentrer là, les petits trucs d'équipe. Plaisir, oh là, Yopa. Il faut prendre ce qui est sur Izana, il est très important. Oh, là, c'est maintenant qu'il faut sortir Yopa. Sors, Yopa. Putain, pourquoi je suis pas en vogue avec eux? Oh là là, Star Kill classique, là, je le sens. Ok, putain, attention, hein. Y a Yopa qui est parti du market, mais on a encore marqué. Okay. Le timing peut être mauvais. Ok, on a l'info. Attention, on passe les CBait parce que là, le spike est en A. Yopa qui a réussi à prendre le kill. On est pas bête. On est toujours là. Magic qui va réussir à récupérer ce kill sur Kayo. Le double kill de Magic. Encore une fois, Omen qui se retrouve tout seul. Il va réussir à prendre Starkey avec lui. Mais triple kill de Magic qui va nous permettre de sécuriser ce round. Et ça fait plaisir. Et je le rappelle, je voudrais pas nous porter l'œil, mais on a une compo attaque et on est en train de gagner la défense. Je donne juste des faits. Voilà, je dis pas. C'est factuel ce que tu dis. Voilà, c'est juste factuel. Tu sais ce qui est factuel aussi? Qu'est-ce qui est factuel? La roquette de race qui va arriver dans leur face, comme ça frère, dans une énorme grosse roquette, je suis trop pressé de l'avoir. Allez, récupère-moi ce dernier petit kill, Yopa. On veut voir un bon ulti pour sécuriser un round. Allez, pitié.
Allez, on voit un petit 10-2 là, ça ferait du bien. Ouais. Permettez-moi de rêver, mais. Attention à cette jet qui a ses kunai, ils sont en économie. Starkey, ça peut Starkey. Oh, il va mettre un stun, je crois. Oui, le grab qui est passé, malheureusement, la jet, elle aura réussi à rentrer. Starkey qui pourra pas. Merci pour les bons et loyaux services, Starkey. Ah, il saura, ouais, ulti jet. Ouais, très rentable, ulti qui permet de récupérer 2 kills. Il a encore des kunai, il me semble. Hein. Ouais, il y a une fantôme maintenant sur. Sur ce phoenix. Ah, faut tirer à travers la smoke là. Ah ouais, il y a des lignes dans tous les sens là. Ok, on a réussi à trouver des petits dégâts. Ou oh, attention Yopa, triple kill de Soura là pour l'instant. Oula, flash va faire mal. Et il a tiré par un kill comme sur Soura, ouais. Ça fait nice. Un bon kill, hein. Nice, oui, on va réussir à rétablir un petit peu la balance. Attention, c'est pas fini, on est en 2v3. Mais on a des armes, ils en ont pas. Ouais, les 3 n'ont pas d'armes. Attends, Yas qui est quand même pas mal au HP, ça fait des couilles avec leur flash là. Il faut accélérer, faut y aller. Marty derrière toi, dommage, il aura pas réussi à trouver le turn. Yas, premier kill. Oh. Bah, c'est pas grave, hein. Faut pas juste pas derrière lui. Ok, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. Si, un peu, mais ça va, tu vois. Ça arrive. On perd le round, quoi. Oh yes, le spike il explose. Le spike il explose, c'est une arme en moins de save. Et ils sont quand même ric-rac, hein, économiquement parlant. Voilà. Petit exalti, ouais. C'est Soura qui fait un gros round là-dessus, là, qui récupère un beau triple kill avec son ulti. Ouais. Quelque chose qui arrive, par contre. Ah, ça, le petit kill Joy, par contre. Oh le prochain round. Ah, derrière Tryhard qui était tapis dans l'ombre. Non, ça va, ils sont bien économiquement. J'ai rien dit. J'annule. Okay. Ah oui, Izana, il est dans le bitcoin là. Il commence à 4000 là encore pour le prochain round. Allez, attention. Est-ce qu'il a trouvé des dégâts, Magic? J'ai l'impression que oui, non? Non? Non. Non, même pas sur le shield. Faire attention à ce Tricky Joy, on a rien pour le détruire si ce n'est la roquette de Raze, mais bon. Allez, Magic solide, il est pas flash, il va réussir à trouver un kill. Agressif, encore, voilà, encore, oh il a la faux. Oh il le sait qu'il est à gauche, il le sait, hein. Il le sait, c'est smoke. Ce short, Magic. Petite rafale là dedans là. Oh voilà, Yopa, ça va pas toucher, si. Un petit peu de dégâts, non même pas. Oh mais pas besoin pour l'instant. Yas, il est tombé derrière, attention. On a le spike. On est 4v3, on a le spike, il s'attendait pas. Non mais Magic, tu vois le QI. Ça c'est le QI de Magic. Ok, Yopa qui va s'exposer. Nice. En gros, vraiment, observez le QI. Il y avait la molo, du coup il a pris le timing où en fait il est rentré dans la molo pour pouvoir avoir la position. Du coup, ben, le phoenix il rentre, il se dit ok, il peut y avoir personne à ma droite. On va le revoir. Déjà, le beau dodge de la flash, le travers. Oh là le, là le là travers headshot. Et là, regardez la molo, direct, tu vois. Et là, il a le crosshair plus à droite. Petite grenade de Yopa dans la gueule de Magic, par contre, je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Par contre, ça, les mecs, c'est pas une game live de Magic. Ça, pour moi, c'est le niveau global. Ça, exactement, de Magic. Oui. C'est son vrai niveau. Oui, oui. Je vous jure, ne vous dites pas là, il fait une game live. Ça, normalement, Magic joue comme ça tout le temps. C'est vrai que si je compare les games d'avant ça, la vie de ma mère, que pour moi ça c'est le Magic que je connais, frère, que j'ai vu en game. Il faut continuer comme ça. Allez Marty, dommage, il a pas réussi à trouver de petits headshots, mais il a encore l'ulti Martinino. On a de quoi, on a de quoi un petit peu les embêter. Oh, hier c'est pas passé loin ça, je crois. Il y a un petit dégradé qui a été fait là. Ils sont en écho by the way. Est-ce qu'on va vouloir claquer des ulti? Martinino qui a réussi à prendre un kill. Martinino le grab. Ah, Yes qui est tombé, attention, ils nous ont mis une écho, voilà. Il vaut mieux claquer l'ulti. Ok, ça va être en réponse, mais ça va être un peu tard, l'ulti de Killjoy. Ouais, il a annulé, il veut pas le mettre finalement. Yopa qui va tomber, Magic sera là pour la revanche. Magic, ça aurait pu être un double kill, le 1v1, mais c'est capturé. Allez, cut le. Non, ça c'est plus excité. Un petit coup de couteau, j'aurais pas dit non, mais vas-y, c'est pas grave. Mais je pense que c'est par. Tu sais, ils sont pas trop dans le tone, t'es dans le manque de respect. Oui, ils sont, à mon avis, t'as raison. Ouais. T'as raison, mais frère. Tu vois, t'es capturé par l'ulti Killjoy, tu vas au couteau, y'a pas de respect ou je sais pas quoi, normalement. Pour moi, c'est par fair play et respect, et j'admire le choix quand même, tu vois. Ah, mais ce kill là, non, mais frère. Oh, mais sérieux, j'aurais bien aimé avoir sa POV à ce mec, hein. Il a récupéré un petit kill sur Yopa, hein. Il a hésité. Il a pris le temps de ressortir son arme pour. Je trouve que c'est encore plus irrespectueux de prendre le temps de ressortir son arme pour le tuer quand même. En fait, je pense qu'il a pris le couteau pour arriver le plus vite possible devant lui, mais il a jamais eu l'idée en tête de le cut. C'est moi, je pense que ça lui a traversé l'esprit et après il s'est dit non. Il s'est dit non, faut pas se porter la poisse. Vraiment. On gère parfaitement l'économie là.
Dernier round, dernier round. Et il est capturé, Marquinhos qui va annuler l'ulti de Phoenix. Ok, ulti Kayo qui est claqué. Oh yes! Alors qu'il était blind à travers la smoke, il a réussi à prendre le kill sur Kayo. Malheureusement, il va être revive. Attention, pas naïf, on le sait. Magic, tu sais, Magic. Oh, tout le temps, il est tryhard, il y a des petits coins de pute comme ça là. Allez, hop, revenge-le bien comme il faut. Okay, on le fait reculer. Yopa qui va réussir à prendre le kill avec la décalo Satchel. Yas aussi, il a réussi à récupérer un kill. Le double kill de Yas. Allez, 4v2, les deux sont dans l'ulti. Attention, il y a l'ulti qui joue, il faut pas se faire capturer. Non, vraiment, c'est bon. Ok, si. Yas, il s'est fait avoir. Yas, voulait voir ce que ça faisait d'être. Mais il est safe, oh, il est reveal. Il a reveal, il est plus qu'un. Et mesdames et messieurs, ce sera un 9-3 pour ce side défense. Et quel beau visage je vois. Non, mais là, j'ai. Mais là j'ai le sourire aux lèvres, mais vous voyez ça c'est mon équipe. Ça le c'est mon équipe, bordel. Jusqu'aux oreilles, frère, le sourire. Il a combien de kills là, Magic? 19? Je dirais 15. Non, mais depuis qu'on allait voir, ils l'ont retiré. Oh là là, Yas, non mais Yas aussi hein. Yas aussi vrai, mais on voit aussi, quand je vous disais. Encore une fois, attention les gars, je vous le rappelle, il y a une deuxième game à 22h, il faut qu'on fasse de zéro aujourd'hui. Aujourd'hui il faut qu'on fasse de zéro. Mais je vous le disais, par rapport au coach, que c'était un très bon coach qu'on avait, 19 kills. 19 kills, mais c'est trop fort là quoi. Et vous les voyez, là le coach il a vu, première game c'était un désastre, il a amélioré, deuxième game c'était beaucoup mieux, il a amélioré, et la troisième game on commence à arriver enfin sur quelque chose de très très bien. Attention, c'est pas fini, c'est pas terminé, mais on voit les travaux du coach, il est pas en mode bon, on laisse faire comme ça et au bout d'un moment ils deviendront plus forts, non, s'il faut réajuster, faire des changements, on les fait. Allez, on est en attaque maintenant. Le petit PC de Magic, je veux le même s'il vous plaît les frères, ça permet de faire 19 kills en 12 rounds. Oh, je suis content qu'il y ait la deuxième game qui soit aujourd'hui parce qu'au moins ce sera le même jour de Magic, tu vois. Là il est dans un bon jour. Juste avant que son PC se fasse check, c'est parfait ça. Parce que franchement frère, il est trop fort. Oh dommage, Yas qui réussit pas à trouver la tête de ce mec, attention ils vont nous push. Ils vont nous push, mais Starkey et Yas, très très solide. Ils s'y attendaient pas à aller voir ici. Ils ont réussi à prendre le double. Dommage. Le Phoenix qui va survivre. On est 5v3, on va rentrer sur le site. Oh là là, Yopa. Non mais Starfire, il a même pas eu le temps de le voir, poteau. Wesh, c'est un fantôme. C'est Shaco Draktar. Il a disparu. Ouh, Magic, c'est Graves. Des grosses balles de bombe dans le crâne. On va faire attention. Faire attention. Allez. On est en 4v1. Ça devrait le faire. Ça devrait aller. Oh dommage, j'ai cru qu'il allait réussir à le tuer. Normalement, il devrait pas réussir à clutch en 1v3. On est pas bête, on s'attend là, franchement. Oui, il est stun en plus. Un bon crossfire. Oh, on a l'info sur lui, impeccable, ace d'équipe. Tout le monde a fait un kill, pas de jalousie. Ok. Franchement, là, il fait plaisir ce second round. Ouais. T'es exalté, t'as limite envie de forcer, hein, prochain round. Ouh là là, t'as pas envie. Ils ont acheté le mandat. Ah non, faut pas forcer là. Bah t'as pas le choix, si t'as pas le choix. Ah, non. Ils 10-3, c'est. S'ils perdent ce round là, ils sont dos au mur. Mais vaut mieux être en 11 et essayer de remonter plutôt que de forcer en 10-3, hein, Imo. S'ils perdent son. Ah, je sais pas. Moi, je pense très sincèrement que à cet état-là de la game, ils vont forcer coûte que coûte. Ouais. Et voilà. Ils ont pas envie d'être en 11-3. Parce qu'en 11-3, après. Si, en fait, si. Non, ils ont pas force. Ils ont pas force, je te l'ai dit. Il y a que le Omen qui a de force. Ah non? Ils ont un. Ah, il y a Killjoy. C'est Killjoy. Un mid-buy en fait. Ouais, Killjoy là, avec son shotgun là. Attention, parce que ça peut faire mal. Hein. Ils ont stack le B. Et nous, enfin on voit la lumière. Enfin un peu de bonheur. La game est pas finie, mais au moins on aura été heureux pendant 13 rounds. Et là faut faire attention, hein. La Killjoy peut beaucoup nous surprendre, frère, ouais. Avec son pompe. Elle peut nous choc-bar, elle peut vraiment nous choc-bar. Elle peut nous choc-bar de bise, je pense. Okay. Bon bot, voilà. Qui prend l'info. Tu vois. Allez, petite. Dommage. Oh là là, dommage la rafale. Les mecs, plus le temps passe, plus je me dis qu'on va pas l'avoir, hein, cette Killjoy. Ouais, elle me fait peur. Elle me fait peur. Pitié, impatient de ok, nice. Elle check à gauche, oui, impeccable. Oh, voilà. Un peu de chance. Ça fait plaisir. Dans ce monde de brutes. Franchement, ça fait plaisir. Oh. Ils veulent nous push. Ils ont réussi à prendre un kill. Oh. Attention, Starkey qui est tombé. Marquinhos, Starkey qui ont. Et là, on est avancé B. Hein. Peut-être une rota B. Qui sait. Non, je pense qu'on va juste aller les chercher. Voilà, il y a pas qui va réussir à faire un kill. Il y a ce qui va tomber. Attention, on aurait peut-être pas dû aller les chercher. 1v2, il a une vandale. 1v2, il a une vandale. Ils ont le spike. On aurait peut-être dû aller en B. Allez, Marty, il l'a vu. Attention, la flash. 1v1 Magic. Oh là 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 là.
On perd beaucoup d'armes quand même. On perd beaucoup d'armes. Oui, en plus on a pas beaucoup de sous hein. Et là on a un bonus bizarre hein. Non, là on est en écho. Enfin en gros Magic il a une arme et d'autres ils auront juste un shérif. Imo. Ouais. Il va être un peu compliqué ce. Ouais, je pense qu'on aurait pas du grid là. Tu vois, Yopa et Yas, ils avaient le spike. Je pense qu'on aurait dû repartir en B. On voulait aller chercher. Ouais. En vrai, on avait nos arbres, on est en confiance, tu vois. Parce qu'en gros, quand on est en confiance, vaut mieux aller chercher les duels comme ça. Regardez, là au final, ça paye. Overall dans la game, ça a payé. Du coup, ça nous permet d'être en confiance. On est bien et. On a acheté, hein. Et quand ça passe, on est heureux, quoi. Oh la belle reveal. Magic, il va tomber. Il était en lurking, Magic. Parce qu'on a acheté, on n'a pas envie de faire ce ouais. Ça peut être très dangereux, très belle nade. Il envoie des belles grenades, hein, Yopa. Quand elles sont pas sur Magic. Skater, hein. Là, on joue le mid, hein, le mid B. Levac qui a dit, c'est vrai, à mon avis, on voulait pas les laisser récupérer les armes. Yas qui a réussi à trouver une belle ouverture sur eux. Sur Shea, heureusement, Marcinho. Attention, Marcinho qui va réussir à prendre quand même l'avantage sur Izana. 4v3. 4v3, Starkid très bien placé. Le regard des surfaces, Thomas Müller. Les mecs, si on met ce round, c'est incroyable. Il est très très important ce round, parce qu'ils ont réussi à acheter ce round-ci. Nous aussi, on a forcé un peu sur un bail un peu spécial. Oh là là. Raison, en situation de 1 contre 4. Mais qui a opti son PC? Pitié, non, Starkid, c'est pas fait opti son PC. Ouais, tu mélanges les deux, parce que t'es un gros raciste, parce que les deux, ils sont des Pays-Bas. Oui, c'est Magic, c'est son PC. Oh, Magic, pardon. Oh, il a pas l'info. Il a pas vu. Allez, plus qu'un. Plus qu'un et un peu de bonheur. Un peu de bonheur. Il faut ce stomp pour attraper le stomp du premier jour. Ça va faire du bien, il faut gagner maintenant. Là les mecs, dites-vous, c'est un moyen de rattraper le round average qu'on a pris. C'est le moyen, c'est la solution, c'est maintenant, c'est l'espoir qui réapparaît là. Là c'est l'espoir qui réapparaît sur ce prochain round. Et j'ai perdu l'habitude de gagner des games là, ça me fait bizarre là. Là, ulti Astra, ulti face, venons, on explose en side. Je me sens bizarre là, les gars. Les gars, y'a de l'eau qui tombe de mes yeux, je sais pas ce que c'est. Je suis trop bizarre, ouais, c'est des larmes. Oh là, on a mis un 20 HP. Dommage. En plus, on a un ulti fade là, à voir ce que. Jabla il va prendre comme décision. T'as envie de le mettre plus où l'ulti fade en ulti B ou A? Tout dépend avec les ultis et tout. Là, il y a quoi comme ulti? Il y a ulti Sarki et tout. Je pense le B c'est le plus opti. Hein. Là, il y a peut-être un retour B qui va se faire. Allez, faut pas avoir peur de gagner. Je crois qu'on a pété le boombot de Killjoy au mid là. Une bonne nouvelle ça. Il y a plus de boombot. Du coup, forcément en face, ils sont obligés de tenir le mid. T'as vu les décales de Yas là? Et là, ça va se duel là. Là, ça va se duel. On est en train de bait en A, attention. Market, oh, Yopa qui arrive à récupérer ce team, mais attention, Killjoy, je pense qu'on sait pas qu'elle est là. Allez, une Guardian. Ouais. On sait pas qu'elle est là. On savait pas. C'est pas fini, Magic. Magic est en vie. Magic est en vie. On réussit à prendre le site. Allez, Marty Magic pour les Magic. Oh, Magic. Allez, 2v2. Marcinho, voilà, on recule tranquille, on fout le temps. Voilà, on va pas prendre de risque. Oh Magic! Le deux mecs il est Magic, allez, plus qu'un! Plus qu'un! Ok, la reveal! Allez, Izana, sans shield. Oh, 2v1, ok, on l'a attrapé! Il est attrapé, il est en prison! En pied! Oui! Yes! On est en train de la couloir! Il fait tellement du bien ce stomp! Oh là 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 là, ça c'est mon Magic, ça, tu vois? Ça c'est mon équipe! Qu'est-ce qu'il y a? Il est dégoûté, pourquoi il est dégoûté? Oh, souris un peu! Souriez! Que les autres équipes aient gagné, souriez, pourquoi ils sourient plus? Un petit sourire, les gars! Un petit rectus, quelque chose! Putain! Les fossettes là! C'est pitié! Attends, je vais voir si ils sont sur TS. Vas-y, le stomp fait tellement du bien là, je vous jure, les frères, vous vous rendez pas compte comment ça rattrape la première journée. Ouais. Eh, vraiment. On est de retour dans la course là. Je vous jure les frères, ici on est. Tout. Et voilà.